Joachim du Bellay et Pierre de Ronsard sont bien les poètes fondateurs de la Pléiade. Au XVIe siècle, sept poètes français vont se rassembler et créer ce qu'on appelle la Pléiade. Leur intention était de renouveler la langue française en empruntant certains termes à d'autres langues. Donc, ils vont enrichir notre langue, qui juge trop pauvre grâce au néologisme et aux mots disparus. Les poètes de la Pléiade ont un autre but, c'est d'intégrer la culture italienne dans la langue française.